Hey la famille! Aujourd'hui, on va faire un mélange, parce que là, mon lait est fini, donc je me suis dit, je vais faire un mélange, je vais filmer le mélange là, parce que je suis conviée à un mariage au mois de janvier, en fin janvier. Donc là, ce sera un mélange qui va booster. C'est pas le genre de mélange, non, 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 ça là, c'est un booster. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un joyeux Noël pour celles qui fêtent Noël et pour celles qui ne fêtent pas Noël. J'espère que vous avez quand même profité de vos proches, que vous avez été dans la joie. Sinon, chez moi, ça va par la grâce de Dieu. À toutes les nouvelles abonnées, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous, la bienvenue dans votre famille Tally Beauty. Et pour les personnes qui me suivent déjà, je vous dis encore un grand merci de liker, de partager et de commenter mes vidéos. Et si vous êtes de passage sur ma chaîne et que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, mes chéris, n'hésitez pas de vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça sera un mélange. Alors, pour faire ce mélange-là, moi, j'ai utilisé le lait Pure White. J'avais déjà fait une revue sur ce lait-là. C'est un lait qui est régénérant, qui est fait à base de 6 huiles végétales. Ils ont marqué sur la boîte que les résultats sont en 7 jours, bien sûr, en 7 jours, il ne faut pas abuser non plus. Mais c'est un lait qui est super efficace. Pour celles qui veulent juste un teint glowy, le lait tout seul, il peut faire l'affaire. Mais pour celles qui veulent avoir une teinte, deux teintes, vous boostez le lait avec soit son sérum qui est très très bien aussi. Je vous avais déjà parlé de ce sérum-là qui est très très. J'avais parlé déjà de la gamme de toutes les façons. Vous allez voir sur ma chaîne. En tout cas, ce lait, il est très très bien. Il hydrate. Il y a la protection de dents. Et ben, vous savez, même si c'est marqué, il y a la protection de dents, je conseille tous ceux qui donnent des teintes, ça s'utilise la nuit, mes amours. D'accord? Alors, ensuite, on aura besoin du bleacher glutation, du concentré, celui-là. C'est un concentré anti-tache glutation qui est très, très bien aussi pour les mélanges. C'est à mélanger dans son lait. Donc, on va mettre toute la bouteille. Sinon, vous pouvez aussi l'utiliser directement sur les parties à traiter. Donc, les doigts, pas le visage. Hein. Celui-là, ce n'est pas du tout pour le visage. C'est les doigts, le coude, les orteils, les genoux. Il est très, très efficace. Je pense que j'ai déjà fait une revue sur celle-là. Alors, lui, il y a beaucoup, beaucoup de faux aussi. Hein, il y a beaucoup de faux. Pour reconnaître la bouteille du vrai, il faut que ça soit en deux tons. Donc, on a du noir et du bleu. Si la bouteille est unifiée, elle a la même couleur de haut en bas, c'est que ce n'est pas le bon. Ensuite, on aura besoin de Mimi White, le sérum Mimi White. Alors, pour le sérum Mimi White, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas très 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 grave. Vous pouvez remplacer par le sérum Pure White. Si vous n'avez pas Mimi White, vous pouvez remplacer par le sérum Pure White qui est très très bien aussi. C'est un sérum qui marche très bien. Donc celui-là, le Mimi White, c'est un sérum asiatique. Il vient de Thaïlande. Il est très très bien aussi. Ensuite, vous allez avoir besoin du sérum Bébé Clair. Vous allez avoir du sérum Bébé Clair. C'est un sérum qui unifie, qui est vraiment, qui donne des teintes. Il est très efficace, le sérum Bébé Clair. Il est très, très efficace. Il est vraiment bien. Ensuite, vous allez avoir besoin de piment doux. Alors, pour piment doux, les revues, il y en a tellement. Piment doux, c'est un très bon concentré qui donne beaucoup de teintes. Mais il faut faire très attention avec piment doux parce qu'il est extrêmement fort. On ne l'utilise pas directement comme ça sur le visage parce qu'il est super super fort. Pour reconnaître la bouteille de piment doux, il faut regarder sur la bouteille si c'est marqué piment doux. Parce que des fois, vous allez enlever le plastique, c'est écrit
piment dox, ou bien c'est marqué grasse, alors que sur le carton, c'est marqué piment doux. Il y a énormément de faux aussi de piment doux. Donc, pour reconnaître sa bouteille en vrai, il faut juste voir, vous toucher, il faut que ça soit marqué piment doux. Donc, on aura besoin de piment doux et on aura besoin du concentré glutathione. Voilà les produits dont on aurait besoin. Donc, pour le dosage, moi, j'utilise pas toute la bouteille parce que toute la bouteille, c'est 400 ml et ça fait beaucoup trop. Je vais juste prendre 200 ml. Je vais juste prendre 200 ml. Pour 200 ml, je vais venir mettre toute la bouteille de tout le sérum de bébé Claire. C'est 30 ml le sérum bébé Claire. Toute la bouteille du sérum bébé Claire. Je vais venir prendre toute la bouteille de Mimi White. Je vais venir mettre toute la bouteille de blancheur glutathion là. Je vais venir mettre toute la bouteille. Je suis en train de chercher s'ils ont mis la contenance, mais je ne vois pas. Donc je vais venir mettre toute la glutathion là. Ensuite, pour piment doux, je vais venir mettre un bouchon. Un bouchon de piment doux. Un bouchon de piment doux, ça me suffit. Ensuite, pour le concentré là, je vais venir mettre toute la bouteille de ce concentré là. Bien évidemment, ce n'est pas un lait que je vais utiliser toute l'année. Ça, je booste, c'est un lait juste pour atteindre un goal que j'aime bien. Et après, je vais passer à la. Je vais maintenir après. Donc, si vous n'avez pas le lait pure white, vous pouvez changer un autre lait. Ça, ce n'est pas du tout grave. Vous pouvez prendre un autre lait de base. Il y en a énormément. Ça dépend aussi du goal que vous voulez. Est-ce que vous voulez utiliser un lait de base qui donne déjà beaucoup de teinte? Est-ce que vous voulez avoir beaucoup de teinte? Ça, après, ça va dépendre de vous. Et aussi, il faut savoir que ce genre de mélange, ça s'utilise que la nuit. N'essayez vraiment pas de sortir avec dans la journée. Ce mélange que je fais, ça sera que pour mon corps. C'est que pour le corps. Ne mettez pas ça sur le visage, il est trop, trop, trop corsé. C'est pour le corps. Bien sûr, il y a une routine qui suit avec. Pour que les produits puissent bien pénétrer, il faut exfolier, il faut hydrater au max dans la journée et le soir, vous venez mettre votre lait. Après avoir bien nettoyé votre corps, vous venez mettre votre lait. Après, là, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y en a qui aiment sécher tout son corps et mettre le lait. Il y en a qui laissent quelques gouttes d'eau. Hein, on se connaît. Pour la team de gouttes d'eau et la team de corps sec. Vous pouvez me dire, vous, comment vous utilisez vos laits. Moi, je fais les deux. Hein, je m'en fous. Quand je suis pressée, je peux laisser l'eau. Moi, je m'en fous les deux. Je trouve que c'est une des bonnes écoles. Il y en a qui laissent un peu d'eau. Après, ils viennent mettre leur lait. Il y en a qui sèchent leur corps. Après, ils viennent mettre leur lait. En tout cas, ce mélange-là, c'est du costaud. Hein. Ce mélange-là, il est hyper, hyper, hyper fort. Il donne vraiment des teintes. Maintenant, il faut hydrater au maximum dans la journée, vous hydrater. Vous pouvez aussi espacer, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça tous les jours. Vous pouvez l'utiliser même 4 fois par semaine. Les autres jours, vous venez hydrater ou bien vous utilisez un lait tout simple, sans mélange, un lait tout simple. Ou alors, vous l'utilisez tous les soirs, mais à savoir que tous les jours, tous les jours, donc dans la journée, vous n'hésitez pas à hydrater votre corps. Si vous trouvez que votre lait hydratant n'hydrate pas assez, vous pouvez le booster avec les huiles. Vous pouvez faire un mélange de crème hydratante, hein, c'est pas interdit, hein. Vous pouvez mélanger votre crème hydratante avec quelques gouttes de vitamine E. D'ailleurs, dans le mélange, j'ai oublié de vous dire que je mets toujours, pour celles qui me connaissent, je rajoute toujours de la vitamine E dans tous les mélanges que je fais. Je rajoute toujours de la vitamine E. Là, je suis en train de me tâter à rajouter 2 bouchons de la lotion Lalala. La lotion marron, celle qui est exfoliante, celle qui est la plus forte. Je pense que je vais rajouter dans mon mélange 2 bouchons de la lotion Lalala.
parce que là, ce mélange-là, c'est un booster, ça va donner un coup de fouet. Après, je vais passer au maintien. Je ne vais pas utiliser ce mélange-là toute l'année. Non, 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 non. Non, ça va fragiliser après ma peau. Non, non. C'est juste un mélange pour booster, juste pour avoir ma teinte que je veux. Et après, là derrière, je vais venir maintenir. Je vais baisser les dosages après. D'accord? Donc, on a dit pure white. On a dit concentré gustation. On a dit piment doux. On a dit Mimi White. On a dit blancheur gustation extra fort. On a dit bébé clair. On a dit vitamine E. On va aller sur 4 gouttes de vitamine E. Ensuite, on va ajouter 2 bouchons de la lotion La La La. Si vous n'avez pas la lotion La La La, vous pouvez mettre l'huile La La La. Mais moi, en tout cas, je mettrai 2 bouchons de la lotion La La La. Voilà, mes chéris. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous bénisse en ce moment de fête. Bisous, bisous.